Tous les jours c'est la même chose. Tu travailles du même et n'échanges. Tes parents te mettent la pression. Tu ne sais plus comment faire. Camarade, ne laisse pas tomber. Tomber. Même si t'es trop fatigué. Fatigué. Je sais que c'est trop compliqué. Compliqué. Mais camarade, ne laisse pas tomber. Tomber. Never give up, hey. Never give up, hey, hey. Never give up, hey. Never give up, hey, hey. Never give up, hey. Never give up, hey, hey. Never give up, hey. Never give up, hey, hey. Quand la vie te donne des coups durs, que tu perds tous tes repères, tu n'as personne sur qui compter, tu as envie d'abandonner. Tomber, même si t'es trop fatigué. Fatigué. Je sais que c'est trop compliqué. Compliqué. Mais camarade, ne laisse pas tomber. Tomber. Never give up, eh. 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 Never give up. Et c'est parti, c'est le coup d'envoi à l'instant qui vient d'être donné par la formation de Kaloum. Il y a la première faute commise par Ali Moudjalo sur un de ses vis-à-vis. Il s'agit d'Oscar Faï. Le ballon va partir avec Mamadou Manika qui va trouver la balle numéro 23 qui est balancée au sol. Mimori n'a pas sifflé. Et c'est finalement le numéro 10 de Tico qui met le ballon en touche. Koumbassa Mohamed avec Jean Moussé. Pour Koumbassa. Koumbassa encore qui a été balancé au sol par Abdoulaye Aïssata. Coup franc pour la formation de Tico. Les deux équipes ont le même nombre de points. 8 buts marqués pour 0 buts encaissés. Devant la formation de Tico qui a gagné devant les espoirs de la B, ce score de 2 à 0 avant de partir, gagner 1 à 0 du côté de Sigiri. Donc 3 buts seulement marqués alors que chef d'ambiance ici au stade du 26 septembre avec les supporters Kaloum qui donnent de la voix. Et puis seulement deux attaquants devant Oscar Faï, il y a position hors-jeu. De Jean Moussé plutôt de Tourade, le tacle posé et c'est Koumbassa qui a le ballon. Koumbassa un peu lent, il va obtenir finalement la faute concédée par Tourade Bangoura par la Kouyaté. Koumbassa pour Asco. Koumbassa encore de nouveau pour Ibrahima. Ibrahima qui accélère. Belém qui contre ce ballon. Oscar Faï qui se bat de l'autre côté. Mamadou Manika. Koumbassa. Mbemba c'est là. Mbemba, le centre de Mbemba pour Oscar Faï qui n'a pas pu reprendre le ballon et la tête de. La tête de Koumbassa pour Ibrahima. Ibrahima sourit. Koumbassa encore de nouveau qui trébuche quelque peu. Koumbassa qui a écarté pour personne. Et bien c'est le latéral du moment. Ibrahima, le dégagement d'Ibrahima. Koumbassa. Ibrahima sourit Camara. Koumbassa. Koumbassa pour Mbemba. Mbemba c'est là avec ce ballon qui remonte. Mbemba qui retrouve le numéro 23. Il a toujours le ballon. Il va retrouver Koumbassa encore de nouveau. Oh, la passe à la Douglas est bien faite pour Ibrahima. Ibrahima sourit Camara qui va rentrer là. C'est pas de passe sur Ibrahima. Koumbassa encore de nouveau. Oh, la passe à la Douglas est bien faite pour Ibrahima. Ibrahima sourit Camara qui va rentrer là. C'est pas de passe sur Ibrahima. La frappe.
encore toujours. Moussa pour Jamoussé. Jamoussé pour Koumbassa. Koumbassa qui écarte là pour Ibrahima. Ibrahima sur Kamara. Le centre d'Ibrahima. La tête de Skartaï. Bah, c'est Kassongo qui récupère le ballon. Kassongo qui a tenté d'accélérer. C'est une touche là. C'est une touche pour Moussa qui va accélérer. Moussa qui va défier son vis-à-vis. Moussa qui va rentrer. D'abord la surface de réparation. La talonnade pour Koumbassa. Et Koumbassa, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la surface de réparation. Koumbassa. Koumbassa encore et toujours. Oh, la frappe de Koumbassa. Le ballon qui monte. Amine Berian pour le moment. Les deux frappes vite. C'est à mettre à l'actif de la formation de Tico. Science. Une ambiance qui a été préparée, organisée par les dirigeants de Kaloum qui ont fait finir des haut-parleurs, des animateurs culturels pour justement donner à cette rencontre un cachet particulier. Vous le savez, Kaloum, depuis le début, joue à domicile, ne s'est pas déplacé pour le moment. C'est la troisième fois que cette équipe de Kaloum reçoit. D'ailleurs, c'est lui qui va être servi par le gardien de but, Maninka. Maninka pour Asko, Alia, Ibrahim Assouri, Kamara, Drogba, Ibrahim Assouri, Alseni, plutôt Koumbassa, à le centre là-bas de Koumbassa, il y a Moussa, Ousmane Korato, Youssouf Korato, quel arrêt de Korato, c'est la meilleure occasion du match, pour le moment pour la formation de Tico. Former Bayal Sal. Ça joue depuis 32 minutes. Pour le moment, Kaloum à 0, Tico aussi. Troisième journée du championnat de Guinée de Ligue Nimba Mining. Avec Koumbassa au corner. Le ballon élevé, Youssouf Korato. Il avait raté le ballon. Youssouf Korato avait raté le ballon, heureusement pour lui. Les joueurs de Tico n'ont pas suivi. Il y avait là le défenseur sur sa ligne qui a écarté le danger. On va se ce corner encore de Koumbassa. Koumbassa s'est levé. Et cette fois-ci, Korato se saisit du ballon. Il va jouer ce ballon. C'est parti avec Koumbassa qui est en train de contrôler Abelem Soumaïla. Il y a là une faute sur Belém Soumaïla qui avait laissé l'avantage. Ça va repartir maintenant avec Koumbassa qui est passé. Koumbassa qui va accélérer le numéro 10. Koumbassa encore Mohamed. Hors jeu de Oscar Saïd. Ballon perdu, récupéré par Koumbassa au milieu de terrain. Koumbassa encore. Avec le numéro 11 là qui va jouer en profondeur pour Oscar Taï. Sourad pour Moreau. Moreau, ballon perdu. Ça peut repartir avec Koumbassa. Jean Mosté. Moussa Konaté, ballon perdu. Il y a là une faute là. Finalement récupéré par Koumbassa. Koumbassa qui va accélérer. Et là, il cherche Oscar Taï. Il y a là Bangou. Qui va entrer dans Soupoudre qui prend la série. Celui-là. C'est Koumbassa qui va venir jouer ce coup de arrêté. Koumbassa. Koumbassa qui a levé ce ballon. Oscar Taï. Et c'est le but. L'égalisation à l'instant. Qu'est-ce qu'il a signalé? Qu'est-ce qu'il a signalé l'assistant? Qu'est-ce qu'il a signalé l'assistant? Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a signalé? On se pose des questions. Et Bayal Sal se dégage. Le ballon va revenir. Avec ce ballon encore. Et là, il y a une faute. Il y a une faute. Avec Koumbassa qui a un coup de pied arrêté. Il y a Koumbassa qui va venir jouer ce coup de pied arrêté. Koumbassa pour le coup de pied arrêté. C'est parti. Le gardien Oscar, plutôt le gardien, c'est Bayal Sal. Le ballon qui repart avec
Alcé plutôt Mohamed Koumbassa. Koumbassa qui laisse le ballon à Jamousté. Jamousté qui accélère, Jamousté encore. Jamousté encore, ballon perdu. Récupéré par Mohamed Koumbassa. Koumbassa pour Oscar Tailly. Ah, il a du champ Oscar. Oscar, il est seul. Il était là pour concéder la touche. Il y a un joueur qui est à terre. Du côté de Kaloum. Si je m'abuse. Mohamed Koumbassa qui sort. Remplacé par Aboubakar Zenga. Attention à Koumbassa. Koumbassa qui va s'essayer avec son pied gauche. C'est un peu loin. Il va mettre, peut-être remettre ce ballon dans le paquet. Il y a deux joueurs qui sont dans le mur. Koumbassa qui écarte là-bas pour Alseni. Le ballon. Corner donc pour cette équipe de Tiko qui domine. Koumbassa, Koumbassa, Koumbassa qui s'excentre un tout petit peu. Ibrahima Souri, Camara, la frappe de Camara. Oh, elle passe à côté. La frappe de Camara, elle passe à côté. On va voir ce ballon qui va partir dans quelques instants. Avec le gardien de but des espoirs de l'Abbé. Diallo, Mamadou Aléo. Mamadou Aléo Diallo qui va prendre son temps. Et il se dégage d'ailleurs. Le contrôle de la poitrine de Koumbassa. Koumbassa, Koumbassa pour Amadou Saga, Amadou Saga pour Koumbassa. Koumbassa, est-ce qu'il va s'entraîner? Il préfère d'abord temporiser. Il se dégage d'ailleurs. Le contrôle. Mbemba Sila. Mbemba avec ce ballon maintenant qui est contrôlé par Koumbassa. Koumbassa qui est éliminé. Koumbassa qui va retrouver les services d'un des partenaires. Il y a une faute, c'était Amadou Saga. Amadou Saga, petit numéro de Koumbassa pour éliminer son vis-à-vis. On va voir ce ballon maintenant qui va partir dans quelques instants. En tout cas, ils insistent dans le camp de cette équipe. Eh bien. Attends, je passe la barre. Donc. Ah, ce ballon qui est parti. Alors que nous venons à l'instant même de recevoir notre confrère du Footmag qui est avec nous ici, conseiller du président Bouba Sampil, qui aujourd'hui est le principal argentier de ce championnat Nimba Mining. On va voir ce coup franc d'abord d'Ibrahima qui ne passe pas du tout et qui monte au-dessus de la transversale. Sega Diallo, bonsoir. Bonsoir, Tcherno Ibrahim. Ika est un club formidable. Ils sont qualifiés en compétition africaine. Et c'est une ville où tout le monde vit pour le football. En témoigne hier la forte mobilisation que vous avez vécue là-bas. Je pense qu'avec la Fédé, on va coordonner certaines activités pour mettre plus ce championnat-là en avant. Je vous informe que c'est Pape Diouf qui a été invité par un des clubs pour le match de dimanche, en l'occurrence l'AS Kaloum. Histoire de l'Abbé. Oh, ce ballon maintenant récupéré par le numéro 3. Pas pour longtemps, c'est Koumbassa. Koumbassa qui va tenter de travailler. Koumbassa, une personne à ce coup franc. Très bien placé pour Koumbassa. Mais Wanche, le mur est à distance. Nous sommes à environ une trentaine de mètres. Oh, ce ballon qui va partir dans quelques instants. C'est parti, la soupe de l'opération. C'est l'ouverture du score. Mais quel superbe but de Koumbassa, ah, qui vient saluer son monde, qui vient saluer ses supporters. Oh, la frappe, elle est limpide, elle est vraiment limpide. Et sa petite danse pour célébrer son but, le premier de ce championnat. En tout cas, pour Tiko, c'est Koumbassa. Superbe frappe qui est partie se nicher. Balayer la lucarne, nettoyer complètement cette lucarne. Et ce ballon qui finit sa course au fond des filets. Le promis, les espoirs de l'Abbé sont menés sous le score d'un but à zéro. But marqué en deuxième période par Koumbassa.
superbe frappe de Mohamed Koumbassa. On sera au stade ici pour suivre le match contre Sumba. C'est pas rien, on va donner de la visibilité à ce championnat, mais c'est un travail progressif qui va arriver petit à petit grâce aux médias et à l'ensemble des acteurs du secteur. Merci beaucoup, Ségadia. C'est moi. Dégagement d'Ibrahima Traoré. La tête là-bas du défenseur des espoirs de l'Abbé. À la retombée, il y a Amadou Saga qui commet la faute. C'est rapidement joué avec Mohamed Koumbassa. Koumbassa qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Ce ballon du numéro 5. Amadou Saga. Amadou qui travaille pour Koumbassa, le buteur. Le numéro 3. Qui va servir un partenaire, c'est Koumbassa qui est amené au sol, qui mène ce score d'un à 0. C'est Mbemba Sila. Mbemba qui a levé ce ballon, la tête là-bas et c'est le deuxième. Le deuxième but pour les espoirs, pour Tico. Tico mène ce score de 2-0. En tout cas, et ça y est, c'est fini. C'est fini, les espoirs sont battus 2-0. La sac de Sigrine 3-0. Un but de Kamara Fodé à la 32e minute. Deuxième but. Ce célèbre club de la nationale. On va suivre ce ballon. Attention, un tacle régulier. Au sein de ce bureau, il y a une icône des années 80 qui a joué la Coupe du Monde cadette. Et c'est un match plaisant, mais il n'y a pas de but. Merci à la Fédé de handball. Résultat, restez comme ça. Parce que l'autre, 1-0. On va suivre ce bon ballon, c'est bien joué. Non, il a été gourmand. Pour la formation de Atlético de Colea. Et le 10... Koumbassa Mohamed va botter ce ballon et tête 1-0, le 10 Koumbassa Mohamed va sur ce ballon, c'était bien joué côté Atlético de Colea. Attention, les poulains d'Amidou Camara. Amidou Camara qui a joué dans Sifra et Sifra qui nous a donné un certain Fadiga. Et oui, Fadiga aussi. Paix à l'âme de l'artiste, oui. Le 21. On va suivre ce ballon. L'équipe chère au doyen Baba Fonfui Oréa. Le 21. De l'Atlético de Colea. Sila Ibrahima Sori. Pour le 10. Koumbassa Mohamed. Koumbassa Mohamed pour son capitaine. Touré Ibrahim, hein? Touré Ibrahim, une tête du défenseur du libéro du FC Séquence. Le 21, qu'est-ce qu'il va faire? Le 21, Sila Ibrahima Sori. Sila Ibrahima Sori, non? Séquence, Bangoura Lamine qui perd ce ballon. Et c'est une, pas pour longtemps. Et cette équipe, nouveau changement dans l'équipe de Atlético de Colea, le 11. Pour qui? Pour ce nouvel entrant, le 19 là, c'est bien tiré. Simon Oscar, mais il n'a pas du FC Séquence, non, de Atlético de Colea, oui. Le 10 encore, Koumbassa Mohamed de Tico va jouer ce ballon. C'est bien joué, mais le gardien est là. Le buteur est là. Le 29, Yamoussa Sidibé. Encore, FC Séquence. Amadou Saga récupère ce ballon pour eux. La formation de Tico. Le 21 de Tico, Sila Ibrahima Sori. Sila Ibrahima Sori pour qui? Pour le 200 numéro 10, Koumbassa Mohamed. Mohamed qui écarte pour Drogba. Kayen qu'on appelle arbitre fédéral. Hein.
Et on va suivre un autre coup franc bien placé pour l'équipe de Tico. Est-ce qu'il va marquer? Non. Le grand match en Ligue 2 au stade Fodefissa. Gangan 15 points, reçoit le deuxième Afia, 13 points. Et c'est bien joué côté FC Séquence. Touré Rachid qui se débarrasse de deux. Et devant Silam Bemba, Touré Mohamed est couché. Amadou Saga, Silam Bemba, pas pour longtemps, le 10, Koumbassa Mohamed. De Tico pour Drogba. Drogba vraiment qui... Sila Ibrahima Sori de Tico. Le 10 de Tico, Koumbassa Mohamed, qui met ce ballon pour... Et Drogba vient décoper le deuxième carton rouge côté et Tico après 80 minutes. De Atlético de Colea, le 10, Koumbassa Mohamed. Koumbassa Mohamed qui va tirer et le gardien était dans la ruelle, mais la passe est courte. Le 10 du camp de Tico, Koumbassa Mohamed. Koumbassa Mohamed qui joue un peu à la Ronaldinho. Le 20, Mohamed. Souma Mohamed. Et c'est une faute pour Atlético de Colea. Le 3 qui va jouer du pied aux attaquants. Le 10 est là, Koumbassa. Koumbassa pour Drogba. Drogba avec sa belle vague. Et oui, c'est la fin.